Bonjour à tous les poissons, je vais commencer votre guidance du mois de juillet 2022. On va aller voir ensemble le message qu'on a à vous transmettre pour le mois de juillet. Donc, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va, je vous remercie. Si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. Voilà, c'est parti. Poissons, juillet. Juillet 2022. Les poissons, juillet 2022, avec le message. Alors, il y a des séparations pour certains poissons. Des personnes qui vont se séparer ou qui sont séparées. Alors, on a des poissons qui sont à l'étranger, d'accord? Il y a eu une séparation ou il y a une séparation. Il y a de la jalousie, d'accord? On a des personnes jalouses, les poissons. On voit que vous êtes parti à l'étranger ou vous êtes loin. On voit qu'il y a une ouverture, d'accord? Il y a une ouverture par rapport à cette jalousie. Alors, je vais aller voir. Alors, on voit que votre voyage là ou votre déplacement à l'étranger, certains poissons, pas tous, hein. Occasionne de la jalousie, on voit des discordes pour vous, on voit de la trahison concernant la famille, j'ai une trahison familiale, j'ai des reproches, des accusations, il y a de la jalousie concernant peut-être quelque chose, une propriété ou un bien à l'étranger. On m'a dit qu'il va y avoir des communications. Pour moi, ce serait plutôt le côté maternel qui essaye de semer un peu le trouble. Vous êtes dans le flou, vous êtes complètement perdu. On me dit qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Vous allez pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau. Vous attendez des nouvelles qui vont vous apporter une réussite, une victoire concernant ceci avec la famille. On voit aussi qu'il y en a d'autres. Pour d'autres poissons, vous partez, d'accord? Vous partez soit à l'étranger, soit vous partez, vous quittez une situation, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une trahison aussi via les réseaux sociaux ou Internet pour d'autres. On voit que vous partez parce qu'il y a trop de reproches, d'accord? Il y a des personnes qui vous envient, des personnes qui essayent de vous faire du mal. Des personnes qui, voilà, peut-être la juste d'ordre judiciaire, vous avez des soucis d'ordre judiciaire pour d'autres. En tout cas, on voit vraiment qu'il va y avoir de la communication qui va permettre de débloquer une situation dans laquelle vous étiez perdu. Donc, soit avec la mère de vos enfants, soit vous étiez perdu depuis un petit moment si vous n'avez pas d'enfants, ou soit vous êtes perdu concernant votre lien maternel pour d'autres. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ça ne concernera pas tout le monde. Oui, on vous dit attention quand même à la ruse, attention aux personnes à qui vous faites confiance. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup de choses à des personnes sans même vous rendre compte que ces personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à vous positionner dans une situation à cause de personnes qui sont trop là, trop omniprésentes dans votre relation. Ou dans votre situation qui me laisse à penser que c'est assez difficile quand même. Hein? Voilà, pour le mois de juillet, on va aller voir le sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Les poissons sentimentaux, juillet 2022. Poissons sentimentaux, juillet 2022. Alors, on vous dit que là, il y a un homme ou une femme, peu importe. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est un homme qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix peut-être difficile. Parce que c'est quelqu'un, pour moi, cette personne qui ne se prend pas au sérieux. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. D'accord, les poissons?
Là, il y a une décision. Pour moi, c'est vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision avec votre âme, en votre âme et conscience, parce que on voit que pour l'instant, il y a une situation qui n'est pas très sérieuse, d'accord? Il y a une situation trop légère à mon goût. Et vous devez vous positionner, hein? Vous devez faire un choix, peut-être entre deux personnes ou entre deux situations. Vous devez mettre peut-être quelque chose ou une situation ou une personne de côté pour pouvoir vous réconcilier avec votre partenaire, pour pouvoir vivre librement ce coup de cœur, ce coup de foudre que vous avez pour une personne. D'accord? Alors, on vous dit que vous êtes extrêmement méfiant, 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 vous êtes extrêmement prudent quant au choix que vous devez faire. J'ai quand même la réconciliation sur une situation peut-être compliquée, sur une situation de clash, ou alors j'ai une réconciliation avec une personne pour qui vous avez un coup de foudre. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous essayez de rejeter cette opportunité, ce choix, parce que vous êtes extrêmement méfiant, d'accord? Ou méfiante. Pour moi, il y aura une réconciliation avec une femme, ou pour une femme avec un homme. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez guérir, d'accord? Vous avez un coup de foudre, et avec cette personne, vous allez guérir les poissons. On vous dit que ça peut concerner un cancer lion vierge ou une cancer lion vierge. On vous dit que ce sera cet été, d'accord? Que vous allez vivre quelque chose de doux, de détendu, de passionnant. On vous dit que sur cet automne, il va falloir quand même lâcher prise concernant la famille, ou sinon il y aura une séparation entre vous deux. Voilà, il va falloir en fait prendre un petit peu plus de l'aise par rapport à la famille, parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop omniprésents. Dans votre relation, dans votre situation, ils foutent un peu la bagaille, la pagaille, pardon. Ça ne concernera pas tout le monde, hein. Vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Si la famille ne vous parle pas du tout, vous prenez vraiment l'autre message si ça vous parle. C'est général, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. On nous donne en message général, l'univers nous donne que les messages les plus importants à vous transmettre pour que vous puissiez anticiper les événements qui approchent par rapport à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé, aiguillé. Je vous dis, si vous avez besoin de conseils ou de consultations avec moi, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.